Salut tout le monde les gens, ici Baboulini pour le 11e épisode de notre Let's Play sur Star Wars. Pardon, Jedi Fallen Order sur PS4, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois. Nous sommes à bord du Mantis et on avait fait... Alors c'était pas vraiment un épisode d'exploration, mais la dernière fois, on avait battu un droïde TSTT, donc une espèce de gros machin de guerre qui s'en était pris au vaisseau. C'est un combat assez relevé mais assez intéressant. On avait fait un petit détour par Datomir, là où on se trouve encore, pour obtenir un fucking sabre laser à deux lames. Voilà, c'est pas beau ça? On avait trouvé ça. Et aujourd'hui, on va aller voir nos amis les Wookiees sur leur planète d'origine, à savoir Kashyyyk. Et on doit également trouver Tarful là-bas, donc on va explorer, on va voir ce qu'on trouve, etc., etc. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me signaler les moments épiques et les faits avec les hashtags associés, hashtag épique PIC, hashtag fail et fail, plus seulement exactement rajouté à la compile. Sans plus tarder, je rose de pousser un de joie parce qu'on va aller voir des Wookiees. Alors, t'as quelque chose à dire, toi? Les horreurs, ça me connaît. Et je vais te dire une chose, j'ai pas besoin de voir une sœur. Ouais, tu regardes ta gueule dans le miroir. LOL. Alors, direction. Tu choisis notre destination. Kashyyyk. Donc, Bruno 63%, Datomir 20%, mais on est pas mal au niveau des coffres et des secrets. Jusque je regarde, d'accord. Zephon à 38, direction. Kashyyyk. Pensez qu'on va avoir un caméo de Chewbacca. Techniquement, Chewbacca, je crois qu'il est dans le dans la série jusque presque jusqu'à la fin. On le voit dans l'épisode. Qu'est-ce qu'il fait dire dans que des Jedi se cachent? Rien, c'est comme ça. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Quand j'étais gamin, on nous parlait d'un maître Jedi légendaire. Oh, vert, maître Yoda. Est-ce que tu veux parler de maître Yoda? Oui, en effet, c'est une légende. Hein? Qui? Quoi? Non, non, je veux parler de Maître Yaddle. Le membre du Haut Conseil Jedi? Ouais, on a tous des rêves, ok? Touche pas au mien. Maître Yoda est encore vivant à cette époque-là. On est entre la prélogie et la trilogie originale. On va sortir de Maître Yoda est toujours de ce monde, donc on pourra peut-être le croiser. On pourra peut-être même croiser Obi-Wan. Bon, je pense pas qu'on les croisera parce que pour Obi-Wan, il est un peu au des vaisseaux de l'Empire, ça. Oh. On va quand même pas forcer ce blocus. Oh non, pas si nous avons le choix. J'ai fait en sorte que le transpondeur du Mantis émette un signal impérial. Hey, Grise, ouais. Dissimule notre signature et fais comme si de rien n'était. Ah, comme sur Braca, les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller les scanners. Ok. Très bien. C'est impressionnant quand même. Hein. Je vois rien du tout. Il se focalise sur ce qui se passe au sol. C'est bon. Eh ben on y va, hein. Bonjour Kashyyyk. Ah mais si je vois Chewbacca, je vais être content. Là, il y a un coffre, là. Je vais faire un... Non, je sais pas très bien faire le wiki. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le wiki officiel de Star Wars, tout ce qui regroupe l'univers Star Wars dans un wiki spécialisé, s'appelle Wikipédia, pas Wikipédia. L'Empire dépouille Kashyyyk de ses ressources avec naturelles. Deux, je crois. Les Wookiees sont asservis. Ou alors déportés. Je m'en fous d'avoir des Wookiees. Et ça, c'est cool. Allez. Wow! T'es passé à un cheveu, petit gars! Je croyais que t'étais censé surveiller les écrans! Une mutinerie. Des Wookiees et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial. Des marcheurs approchent de leur position. Tarful est peut-être avec eux. Tarful peut être n'importe où. Si ça se trouve, il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On n'a aucune autre solution. Et ils vont mourir si on les aide pas. Pas faux. Alors, c'est quoi ton plan? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Braca. Je vais en pirater un. Ah, écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Attendez quoi? Écoute, ces marcheurs peuvent transporter des troupes, alors une fois dedans, sois très prudent. Il est temps pour la matière grise. Oh, de faire joli des miracles. Joli la matière grise, joli, j'aurais pas fait mieux. Essaie de rester en vie, c'est d'accord? Je vais tout faire pour ça. Le jeu de mots mérite un snowflame. La matière grise, j'ai le titre de l'épisode, pas tout loin. Si tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, petit gars. On se jette à l'eau, BD? C'est parti. YOLO! Vas-y, fais la bombe! Ah. Ça n'a pas l'air très bien les os sur Kashyyyk.
salut. Eh ben, bienvenue sur Kashyyyk. Wow! Rivière des origines. Y aller. C'est Star Wars ou c'est Shadow of the Colossus, là? Ah bah non, c'était les marcheurs. Ah, c'était les fameux TBTP. Moi, je me souviens des AT-AT, des AT-ST, c'est pas passé loin dans la trilogie de base. On peut avoir un petit bout de sol, là, s'il vous plaît. On peut s'approcher de lui, pas. Ouais, il a l'air d'avoir de quoi grimper pour nous, là. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Là-bas, sur la patte avant gauche, on va pouvoir grimper. Mais sérieux, c'est du Star Wars, c'est Shadow of the Colossus, là. Ah, t'es bien, je crois. Comment faire pour entrer? Bah... Oui, tentons par la patte. J'avais compris, pas la peine de venir. Allez. Il faut qu'on trouve le point bleu et qu'on fasse le sabre laser dedans, c'est ça? Ok. Et maintenant? Bon, maintenant on fait oui. Et après on va sur l'autre patte et on fait... Oui. On fait de la grimpette, mon petit mammouth. Ah mais le coup du jeu de mots de la matière, j'aurais trop voulu être avec les traducteurs au moment où ils l'ont trouvé. Parce que ça, c'est une bonne vanne, c'est une excellente traduction, un petit jeu de mots comme ça. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir comment était le texte original. S'ils avaient mis un jeu de mots, ou si le jeu de mots est une adaptation purement française. Encore un petit peu. Je parierais sur une adaptation purement française. Hein. Je suis en train de me dire Grey Matter qui existe en anglais. Hein. Non ? Ah, mais ce parcours là, c'est intéressant. Attends. Grimpons tout en haut. Ah, bah c'est ce que je fais, t'inquiète. Hein. Ok. Hé, hey, Jean-Michel, merci. Allez. L'intérieur du marcheur. Ok, je fais quoi ensuite? Je suis rentré par là, là. Bidi, tu peux faire un truc? Non. Ah d'accord, j'avais pas vu le speeder ici. Je fais quoi là? Ah d'accord, ça me permet de passer, là c'est cool. Pas des masques de choix. Il n'y a pas de peau. Et il est mouru. À ton tour de le signaler. Salut. C'est le Jedi. J'ai repéré. À toi. Trop rapide. Encore. Faut assister. Comme les fichus. Ok. Aide-moi. Pitié, aidez-moi. Pousse-toi. Non. T'as-tu fermé ta gueule? Oh, sur le mur. Boum. J'ai besoin de soins, BD1. Ok, attends. Non. Je peux pas plus de force, attends. Et je peux pas consulter la carte parce que je pense que je suis pas encore dans la zone explorable. Ouvrons. Jouer un nouveau vaisseau sur le scanner. Ils sont mieux équipés qu'on le pensait. Quel est l'état de la coque? Elle est dans un sale état. On est à 70% d'intégrité et ça baisse encore. Ça devrait quand même suffire pour écraser... Salut sur... La bonne vieille technique, deux jambes pour un pour taper sur l'autre. Je reviens pas que ça ait fonctionné. Ok. Marche. Bon rapport, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous enseignez le protocole impérial. Faire faire, BD. Arrêtez-vous. Pas mal. On contrôle le machin maintenant. C'est parti. Ça, c'est les blasters. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je te pète la gueule, regarde. Bon, tu pètes ta gueule. Ça fait un de moins. Touché. Un autre. Des outils. Ah, on
On est dans un putain de marcheur, c'est trop la classe. Salut. Hey, Sauguer. Qui es-tu, toi? Quelqu'un qui vient de vous rapporter un TBTT. Et vous, qui êtes-vous? Personne, juste la bête noire de l'Empire. On se prépare à attaquer une plateforme impériale. Et on a besoin de renforts. Bien compris. Pas de problème. Allons les mettre vraiment en colère. Vas-y, on leur pète la gueule. Il est trop bien, ce passage. On a un putain de marcheur, un TBTT. Tu vas voir qu'à un moment donné, ils vont nous en faire affronter un... Oh non, ça c'est un TSTT. Bah, je vous tatane le pimpon. Boum. Ça me résiste pas. Allez, venez là, t'as de bitches. D'autres soldats là-bas. Vous allez tâter de mon canon. Enfin, vous allez tâter de votre canon, tout un truc impérial. Allez, attends, les TIE Fighters, ici, c'est les TIE Fighters, ça. Là. Qu'est-ce que ça se délire? Eh les gars! Eh les gars, je vous transforme en patate sautée! Patate sautée. Il y en a toujours plus! Parfait, bon, ça va m'aider à vous faire votre chasse, hein. Boum! D'autres amateurs? C'est des soldats d'Empire, ça, ou des... Attends. Là-bas. Ah, c'est quel type? C'est des types ou des... Non. Les X-Wings! J'ai toujours... Les X-Wings, c'est ceux qui sont tombés, on est d'accord. Allez, avance. Ah, d'autres là-bas. Là-bas. Le problème, c'est que blanc sur blanc, on a souvent du mal à voir. Eh, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? C'est trop héros. Hein, Jean-Michel? Là. Ah, le gros machin. Le plus gros d'entre eux, je l'ai même pas vu. Je mitraille, moi, FDP. Boum! Voilà. Non. Tu vas pas ramener de Stormtrooper, espèce de fils de pute. Allez! Pète-y la gueule! Pète-y la gueule! Voilà! Il se dirige sur nous. Tu peux faire quelque chose? Accroche-toi! Ah, il voulait le suicider! Et nous aussi! Prépare-toi à péter! Sauguerera, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. C'est dans Solo ou dans Rogue One qu'il apparaît? Faut que je regarde. Ça me dit quelque chose, ce nom. Deux secondes. Je vais mettre en pause dès que je peux. Et je vais regarder. Je veux savoir qu'est-ce. Ok, Google. Qui est Sauguerra dans Star Wars? Ouais, ça va. D'accord, il apparaît dans Rogue One. Non, mais disait bien que ce nom disait quelque chose. Il est dans Rogue One. Il est aussi dans la série Clone Wars. Parfait état. C'est quoi ton nom? Cal Kestis. Saw Gerrera. Tu fais quoi sur Kashyyyk? Je cherche quelqu'un. C'est quoi ces lags qu'on a là? Avec mes hommes, vous avez vu les lags? Pour interrompre le ravitaillement impérial. Hé! En même temps, si je cherche des textures en même temps, ouais, le jeu a du mal. Qu'est-ce que tu recherches? Un chef Wookiee qui s'appelle Tarful. Tarful est impossible à trouver. Il échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un résistant? C'est LE résistant. Le symbole de la résistance, Wookiee, qui s'attaque à l'Empire depuis les Terres d'Ombre. Serré? Grise? Lui, c'est Saw. Comment ça va? Pourquoi cherchez-vous Tarful? Un truc de Jedi. Les Jedi sont finis. Non, pas encore. Il a du mal, hein. C'est sur un corps que tu l'as trouvé? Mon maître me l'a confié. Cette plateforme approvisionne une des raffineries impériales. Attendez. Je sais pas ce qui se passe, mais là, cette cinématique, elle rame mais du cul, hein. Rial, qui sert de Wookiee comme esclave. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien, si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver Tarful. C'est possible. Oh, une seconde, attendez un peu. Le Mantis est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais...
Il n'est pas fait pour le combat rapproché. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Bien vu. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go, go. C'était un peu mieux là. Eh bien, ça lag. Plusieurs entrées. Alors, chapitre 3, une rencontre fatidique. En descendant dans l'atmosphère de Kashyyyk, l'équipage du Mantis se retrouve mêlé à une escarmouche entre les forces impériales et des résistants. Cal pensait que le chef Wookiee Tarful se trouvait peut-être parmi eux. Il quitta le vaisseau et prit le contrôle d'un TBTT qu'il dirigea droit vers Saw Gerrera, un célèbre insurgé, notamment dans Rogue One. Saw et ses hommes étaient en pleine campagne de libération d'une raffinerie de sève de Vroshir. Tarful y étant peut-être détenu avec des autres Wookiees, Cal et BD1 acceptèrent d'aider Saw. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la base de données ? Chapitre 2 n'est pas fini si on regarde, attention. Au niveau des personnages, donc on a probablement Saw qui vient de se rajouter. Autre personnage, donc Saw Gerrera. Saw Gerrera, insurgé notoire originaire d'Onderon, menait un groupe de résistants opposés à l'Empire sur Kashyyyk, le monde d'origine des Wookiees. Assoiffé de vengeance depuis la mort de sa sœur pendant la guerre des clones, il suit un code moral assez flou. Pour lui, les dégâts collatéraux sont un mal nécessaire. Il développe un sincère respect pour Cal, qu'il considère comme un puissant allié potentiel et un instrument utile dans cette guerre interminable. Alors, voyons un petit peu la zone où on se trouve. Donc, plateforme, il y a deux coffres à trouver. Je pense que c'est tout ça, la plateforme. On va zoter un petit peu, on va leur causer. Avec tout est bien. Ouais, content de te voir aussi. C'est un vrai dépotoir, cet endroit. Ton plan a marché. Et maintenant, tu veux suivre Saw ? Qu'est-ce que vous pensez du plan de Saw ? Son combat est perdu d'avance. Je doute que la liberté des Wookiees soit son seul Dommage, but. Ça. Il semble digne de confiance. C'est peut-être le cas. Mais nous ne savons pas tout ce qui se passe ici. Et n'oublie pas que l'Empire aime les combats. Fais gaffe à toi dans la raffinerie, petit. D'accord, je m'en souviendrai. Vous avez entendu parler des partisans ? De simples rumeurs de Cantina. Mais rien de très sérieux. Ce sont des radicaux. Il paraît que l'Empire a mis des primes sur leur tête. Est-ce que ces primes vont poser problème ? Je crois pas. La guerre, c'est pas bon pour les affaires. Si ces rumeurs sont fondées. Vous avez pas de choses à dire. Est-ce que les Inquisiteurs peuvent nous trouver ici ? C'est possible. Il vaudrait mieux pas. On a failli y passer ! On pouvait pas laisser les partisans et les Wookiees se faire tuer. Cal, tes intentions sont louables, mais tu n'as pas à t'ingérer là-dedans. Alors faisons notre part. C'est tout. Je suis d'accord. Bonne chance. Hé, hey, fais attention à toi. Voilà. On a causé à tout le monde. Elle est pas en état okay, de se battre. On peut pas passer sous le Mantis. Voilà. T'as raison. Vous avez entendu des cris de Wookiee, c'est bon. Des Wookiee. Salut les gars. Alors maintenant la question. Si ce plan tourne au vinaigre, on est fichu. Ah, attends, c'est par là. Marie a repéré les garnisons les plus proches. L'Empire n'aura pas le passage a l'air d'être par là, mais je vais continuer d'explorer un petit peu. Juste pour voir si je trouve l'un des deux coffres sur la. Oh. On a déjà fait pire. C'est encore pire ici que sur Zephyr. Vas-y, scan, je t'en prie. C'est une poubelle de l'Empire, ça. J'espère qu'on est prêt. Droïde Gonk. Les droïdes d'alimentation EG6 ou droïde Gonk servent de générateurs portables lors des opérations mobiles ou en cas de défaillance du système d'alimentation principal. Ils sont aussi bien utilisés par les armées que par les civils, émettant un son discret qui évoque le mot Gonk. Tout à fait. Et du coup, quand un Gonk te prend par surprise, tu crois que tu peux dire que tu t'es fait gonker ? Vous avez bien dit Zepho ? Je vivais là-bas, avant l'arrivée de l'Empire. Vous connaissez ? Myriana. J'ai besoin d'un instant. Valeureuse guerrière, Myriana combat avec les forces de Saw Gerrera sur la planète assiégée de Kashyyyk. Après avoir perdu son époux sur Zepho, elle traverse la galaxie pour affronter l'Empire. Ah, ici ! Il y a peut-être des réserves dans ce marché. Ça. Est-ce que tu vas bien ? C'est là qu'on a atterri. Enfin. Je vais bien. Sauf qu'on passe par là-bas, mais je veux voir s'il n'y a pas un coffre ici en, parmi les cadavres des 27 000. Bah, regardez s'il y a un coffre là. BD, à toi de jouer. Allez, on continue. Il doit bien y avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, merci beaucoup. Pas de problème. Et nous avons qu'est-ce qu'il y avait l'apparence Opsundari pour BD1. Ouais, est-ce qu'on a autre chose par ici ? Parce que du coup, si vous regardez, ouais, on a un coffre sur deux. Hey, j'ai bien fait de revenir en arrière.
Ah mais cette phase avec le TVTT, c'était putain. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'autre coffre. Je le redis, cette phase avec le TBTT, c'était jouissif. Franchement, c'était fucking bon. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Forêt tropicale pour le poncho. Voilà, avec ça, les coffres, c'est fait. J'ai plus des masses de grand-chose à explorer. Direction, le passage. On a quand même perdu quelques petits points de vie dans l'affaire, mais ça, je pense que c'est fait exprès. Allez, comme d'hab, on va essayer de fouiller un maximum de coins avec ce qu'on a à disposition. Je vais retourner voir la madame qui avait parlé de Zepho. C'est vous qui avez parlé de Zepho, madame ? J'ai vu les souvenirs d'un dénommé Ostar. La force me les a montrés sur Zepho. Mon compagnon. Il a distrait les Stormtroopers pour que je puisse fuir avec notre fille. Il a toujours été si impulsif. Il est... Oui. J'ai trouvé son corps. Au fond de moi, j'espérais qu'il ait pu s'échapper. Je suis désolé. Non, il ne faut pas. Je préfère savoir la vérité. Bonne mentalité. Nous ne devons pas laisser l'Empire détruire encore d'autres mondes. Tout à fait. Bon. Allez les enfants, on va passer un petit peu par là. Salut. Donc on sait qu'on a trouvé tout ce qu'il y avait... Oh, qu'est-ce que t'as trouvé mon petit ? Bah vas-y scan, je t'en prie. Là c'est des fusils de l'Empire ça. Cache d'armes. Ces lance-flammes impériaux spécialisés ont été modifiés pour être plus efficaces contre la faune et la flore de Kashyyyk. Très bien. Le passage est ici, mais attends, il y a un coin par là. Attends, c'est un coin bloqué ? Eh, hey, c'est un coin bloqué. On va avoir... Ok, il va probablement falloir des trucs pour pirater et passer cette espèce de champ de force. Je dirais que c'est probablement BD qui va se charger de ça. Je vois pas en quoi la force pourrait nous être utile ici. Ok. Donc on passe dans la tranchée. Plateforme explorée à fond. Donc dans la tranchée, il y a un secret. Déjà, je vois un passage à droite, mais je vais explorer un petit peu tout le coin, comme d'habitude. Saut devrait se trouver au bout de cette zone. Et ben avançons. Avançons, avançons. Ah ok, c'est du vide. Oui. Alors. Ok, le passage... Attends. Ce truc-là, bah vas-y, je t'en prie, BD, scan. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Beau travail. On peut pas passer. Okay, donc l'emplacement est marqué. Peut-être qu'un truc par ici peut nous aider. Je vois un passage, moi, sur la... Le passage que j'ai délibérément... Attends, BD voulait me montrer un truc. Attends, il y a un truc là en dessous, regardez. J'ai l'impression qu'il y a... Alors... C'est pas là. Ah, là, je viens de le voir. Et pour faire mon jarjar, vous ça. C'est donc pas là. Ah, c'est plus du minigun. Voilà. Je passe par ici. Oh, le secret, je le vois là-bas. Ça n'est... Regarde, il y a un établi. Il est content. Bon, ça veut dire que c'est une amélioration pour BD. On dirait bien. Allez, on prend ça. Tu en es où niveau puissance électrique ? Est-ce que ça va me permettre d'avoir le truc dans le hangar tout à l'heure ? Je parie que tu peux tout court-circuiter. Oh. Et regardez comme il est content. Nous avons obtenu... La surcharge. Est-ce que... Wow ! Ah, je me fais pister par une araignée. Elle est pas aussi cool que Spider-Man. Hein. Ok, les étoiles de partout, j'en fasse gaffe. C'est de la force, hein, je sais pas, des bases sur elle. Allez, je te bouge. Qu'est-ce que c'était que ça ? Vas-y, je t'en prie, BD. Je me suis fait surprendre, là, quand même. Hein. Et c'est un Wishock avec trois... Oh, putain, comment ça doit rapporter au Scrabble, ce nom ? Ah oui, attends, il y a le F, mais... Un W, 3 Y. Vas-y, attends. Je vais calculer combien de points ça rapporte... Je vais calculer combien de points le mot Wishock rapporte au Scrabble. Ok, Google. Valeur des lettres au Scrabble. Alors, je m'en fous. Lettres du Scrabble, voilà, c'est ça que je veux voir. Alors, donc, je prends bien... Ah non, je veux le Scrabble français, bien sûr. Alors, en français... Donc, le W vaut 10 points. Le Y vaut 10 points et il y en a 3.
Le S vaut 1 point, donc on est à 41 points. Le C en vaut 3, 44. Le H en vaut 4, 48. Le O en vaut 1, 49. Le K en vaut 10. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le mot Wishock. Sans le moindre mot compte double, lettre compte double, lettre compte triple, mot compte triple, rapporte la bagatelle nice de 69 points. 69 points, mesdames et messieurs. Je veux au moins un nice dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, attaquer par derrière lorsque la créature est distraite par d'autres proies. Parer son attaque plongeante pour l'éliminer rapidement. Les Wii Shock, en fait, ça fait limite jeu que tu peux trouver sur Wii. Alors aujourd'hui, on joue à quoi? Bon, on joue à Wii Shock. Les Wii Shock sont des prédatrices dotées de plusieurs pattes et d'une grande intelligence. Très agressives envers les autres espèces, elles projettent une enzyme adhésive qui piège leur proie dans une gangue semblable à une toile, leur permettant d'attaquer avec leur croc acéré et venimeux. Plus rusées que leurs ennemis, elles descendent rapidement de la canopée ou sortent de leur terrier souterrain pour les surprendre. Évitez leur toile, mais si vous êtes pris au piège, débattez-vous pour en sortir avant que la Wii Shock ne se rapproche. Leur agressivité peut vous conférer un avantage stratégique qui vous permet de les attaquer par derrière. Capables de se déplacer rapidement, elles sont parfois vulnérables aux attaques à la tête ou aux membres. Et on a un point de skill, donc je vais pouvoir regarder la map tranquille. Si je reviens par ici, c'est possible. Donc ce que je vous propose de faire, alors déjà il va falloir qu'on arrive à remonter ici. On va remonter, si on peut je vais aller explorer le petit secret qui est du côté du transformateur. Et l'idée ce serait d'aller sauvegarder du côté du mantis, mais j'ai pas l'impression qu'on ait le choix. Ça pue un peu. Attends. Si je rampe par là. Oh, attends. BD ? Je t'en prie. Essayons ça. Oh, mais attends, je peux obtenir. Attends. Alors, ça marche pas. Alors c'est quoi le fuck? Ah d'accord, ok. Bien joué. Voilà, j'interromps la charge pour pouvoir revenir. Il faut que je le fasse dans l'autre sens. Ah, le problème c'est que j'arrive à le faire. En fait, il me faudrait probablement une espèce de double saut pour récupérer ce truc là. Mais c'était sympa. On a eu un combat intéressant. Bon, moi je vais revenir en arrière. Juste pour aller récupérer le truc avec BD. Et je vais aller sauvegarder au Mantis. Et on continuera ça la prochaine fois. J'ai pas l'impression qu'on puisse en fait, merde. Oh les FDP. Bon bah d'accord, je vais pas faire ce que j'ai dit. Mais attends du coup, attends. Le coin qui est là-bas, bah, ça m'intéresse d'aller l'explorer. Wait a suck. Je peux récupérer le secret dès maintenant. BD ? À toi de jouer. J'ai besoin de ton aide là. Quand il est là, j'interromps, attention. Normalement ça passe. J'espère juste que c'est la troisième essence de vie, comme ça j'ai un boost de santé. Est-ce que ça va me régène ? Attends, est-ce que je peux déjà choper la corde ? Bah, pourquoi tu chopes pas ? Attends, t'es en train de me dire qu'on peut choper la corde que dans un sens ou je me suis juste complètement loupé comme un caca ? Moi, j'ai probablement juste loupé comme un caca. Alors ça, voyez-vous, c'est un problème d'ordre problématique. T'es en train de me dire qu'avec la force, il peut pas remonter une corde, cette espèce d'enfoiros là ? Ah non. Dommage. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans cette direction? En fait, je me demande si ça permet pas d'accéder au secret et la tyrolienne sert de retour. Ah bah. Voilà, j'ai trouvé à quoi ça mène ici. Hein. C'est simplement un raccourci. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Bon, je vais remettre... Je vais me remettre là-haut. Et comme je vais tourner encore un épisode après celui-là, je vous propose de nous arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, BD, tu vas rester ici tranquillement.
Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Jedi Fallen Order. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce des familles, ça fera toujours plaisir. Mais pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de parler à la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit, tout ça, vous le savez. La petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir. Les moments magnifiques et les faits avec les hashtags associés, vous connaissez la musique. N'oubliez pas non plus d'aller jeter un œil à la chaîne de VOD dont le lien se trouve plus bas en description. Et en attendant de continuer notre exploration de Kashyyyk, je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis que la force soit avec vous. J'ai failli me tromper au niveau de la outro, c'est moche quand même. We'll be right back.